Bonjour, merci d'être dans notre tutoriel. Alors, dans votre OneNote, j'ai inséré les corrigés du module 4, leçon 1 et 2. Et je vais essayer de faire comme en classe. Alors, on va relire le texte de la leçon 1. Tu fais du sport? Observez les vêtements de Xavier et imaginez quel sport il fait. Xavier, c'est le garçon qui se trouve là. Je ne sais pas si je peux pointer. Il est probable que je puisse pointer. Donc, il s'agit du garçon à gauche de l'image. Loïc, qu'est-ce que tu fais, Xavier? On est mercredi, j'ai un match de foot. Et toi, tu fais du sport? Loïc, je joue au basket et je fais de la natation. Xavier, tu joues au basket et... Comment tu fais? Loïc, je joue en fauteuil roulant. Nous faisons des compétitions avec mon équipe. Xavier, et toi, Lucille, qu'est-ce que tu aimes comme sport? Lucille, j'aime le foot. Xavier, tu joues au foot? En général, les filles jouent au tennis. Elles font de la danse ou de l'équitation. Lucille, oui, je fais de la danse, mais je joue aussi au foot. J'adore. Tu sais, l'équipe féminine française de football est numéro 8 dans le monde. Il y a aussi des Jeux olympiques pour les handicapés. Alors, si vous ouvrez votre livre, on vous demande de cacher le dialogue hein, pour l'exercice 2 et de répondre aux questions. Donc, il parle des sports qu'ils font au collège. Eh bien, je crois que vous avez trouvé. C'est vrai. B, aujourd'hui, on est samedi. Eh bien, on voit tout de suite dans le texte. Que, à la deuxième ligne, que, eh bien non, on est mercredi. Donc, c'est faux. Les filles ne jouent pas au football. Ben, vous l'aurez compris, Lucille n'est pas d'accord. Lucille dit, j'aime le foot. Les filles jouent au tennis, blabla. Ça, c'est, pardon, c'est Xavier qui parle. Mais elle explique qu'il y a une équipe de football avec des femmes et ils sont l'équipe est très forte dans le monde. Alors, donc les filles ne jouent pas au football, c'est faux, et les handicapés ne participent pas aux Jeux olympiques, c'est aussi faux, comme vous pouvez le voir dans ce document. En effet, Loïc joue à différents sports avec son fauteuil roulant et il explique à la fin du texte qu'il y a des Jeux olympiques pour les handicapés. À la fin, vous pouvez lire ici, il y a aussi des Jeux olympiques pour les handicapés. Voilà pour les premiers exercices. Alors, pour l'exercice 2, on vous redemande, mais vous aviez très facilement trouvé, d'associer les sports avec les noms des joueurs. Donc, quand on vous dit d'écouter encore, c'est toujours le même dialogue, hein. C'est le dialogue qui est au-dessus. Donc, vous, ben, vous allez tout simplement le relire, hein. Donc, on relit le texte. On associe les sports avec les noms des joueurs. Donc, Xavier fait du football. Répétez après moi. Xavier fait du football. Loïc fait de la natation. Loïc fait du basket. Lucille fait du football. Et elle fait de la danse. Je vous demandais aussi de compléter le dialogue, mais avant, nous allons répéter ensemble. Le verbe faire, je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. Je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons. Vous faites, ils, elles font.
Alors, c'est comme cela que vous trouvez qu'est-ce que tu fais dans l'exercice 5. Ah, qu'est-ce que tu fais? Nous faisons des compétitions avec mon équipe. Elles font de l'équitation. Je fais de la danse. Pour l'exercice 7, il est mieux de lire tout d'abord le petit carré rose. Pour échanger sur les sports, on utilise plusieurs verbes. Vous voyez, on utilise 3 verbes. On utilise faire, on utilise aimer et jouer. D'accord? Donc, il s'agit vraiment de s'interroger sur ces 3 verbes. Comment on construit ces verbes? Quels mots on utilise après? Alors, je joue au tennis, au football, avec la préposition à. À le tennis, ça fait le. D'accord? Au tennis. Ça, c'est pour le verbe jouer. Pour le verbe faire, je fais. Du tennis, de la natation. Donc, c'est avec le petit mot, la préposition de. Si on rajoute le, ça fera du tennis. De la natation, de l'équitation. Qu'est-ce que tu aimes? Donc, le verbe aimer. Eh bien, là, on met directement le groupe nominal sans utiliser de petits mots. Donc j'aime le basket, la natation, l'équitation. C'est comme ça que vous pouvez ensuite remplir le petit exercice. Je joue plus A, basket étant masculin, au basket. B, je fais de. B, j'aime foot. Foot, j'aime le foot. Je fais faire avec de, la, parce que danse est féminin. Et ensuite, de l'équitation. Vous voyez, vous aviez les réponses ici. Et ce sont deux noms féminins, équitation et danse. De la danse, de l'équitation. Voilà pour la leçon 1. Ouais, tu peux répéter dans l'exercice 8. Je fais du tennis, je joue au tennis. A, je fais de l'équitation. B, je fais de la natation. C, je fais du basket. Et la prochaine fois, je vous corrigerai la leçon 2.